J'étais un chef de gang. J'étais un chef de gang. Le héros d'un film doit-il forcément être admirable? Le héros. Le héros d'un film doit-il forcément être admirable? Dans le scénario de Mathieu Cerveau, le protagoniste, l'amance Matsu, apparaît en référence à l'analyse littéraire comme un personnage complexe du point de vue de sa classification. Raconter l'histoire de l'amance Matsu, c'est aussi évoquer certaines caractéristiques de la France de nos jours. Pour autant, nous ne sommes pas face à un discours de sociologie ou aux prises avec un pamphlet politique. Il s'agit bien d'une entreprise artistique, soutenue par une architecture technique objective et identifiable, ainsi que par le prisme subjectif et plus abscond de son maître d'œuvre. Le héros d'un film peut-il forcément être admirable? Dans le scénario de Mathieu Cerveau, le protagoniste, l'amance Matsu, apparaît en référence à l'analyse littéraire comme un personnage complexe du point de vue de sa classification. Il n'est pas à proprement parler le gendre idéal. Non. Disons que c'est plus précisément un mauvais garçon. L'on aurait pu dire « c'était ». Cependant, ce qui le caractérise est notamment son absence de repentir. Son portrait est brut, réel. Il n'en veut effacer aucune trace. Il se raconte sans remords ni larmoiement. Oui, c'était bien lui qui a commis tous les méfaits qui l'ont maintes fois conduit en prison. Au prime abord, l'on pourrait le considérer tel un héros négatif, usant de violence et dépourvu de toute morale. Celui qui nous permettrait d'approcher nos aspects les plus obscurs. Toutefois, après réflexion, il paraîtrait plus judicieux de l'examiner sous l'angle d'un héros positif, dans le sens où il revêt des qualités exceptionnelles, physiquement et psychiquement. Il se distingue de la norme. De plus, loin d'être un exemple de vertu, il gagne malgré tout notre sympathie. En écho au juge Jeanne Fayard, qui reçoit ses récits de vie et semble être attentive à son parcours, voire quelque peu attendrie par l'homme viril et sensible qu'il est aussi. Cet ancien chef de gang est
fort. Il est intelligent. Et à défaut d'être toujours aimable, il peut s'attacher et rester fidèle à sa compagne Faïza, ainsi qu'à Patrick, qu'il a connu comme juge d'application des peines, devenu son ami en dépit de toutes les difficultés. L'accès au visage est d'emblée éthique. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. L'accès au visage est d'emblée éthique. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. L'accès au visage est d'emblée éthique. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. On n'est pas en relation sociale avec autrui. Pour autant, peut-on admirer la Mans Matsu? Sans doute. Le cinéaste ne saurait l'empêcher. Mais il ne me semble pas, ni à la lecture de son scénario, ni à l'écoute de ce qu'il en dit, que Mathieu Cerveau se positionne comme défenseur d'un ancien hors-la-loi. Bien que héros, celui qui en l'occurrence a grandi dans une cité de Corbeil-Essonne ne se transforme pas mécaniquement en modèle. Une certaine image de la France d'aujourd'hui. La Mans s'approche du bureau du juge. C'est vrai que je suis née au Congo, mais c'est pas mon pays, madame. C'est le pays où j'ai grandi. Cet extrait, issu des premières pages du scénario, nous livre une clé essentielle. Raconter l'histoire de la Mans Matsu, c'est aussi évoquer certaines caractéristiques de la France de nos jours. Pour autant, nous ne sommes pas face à un discours de sociologie ou aux prises avec un pamphlet politique. Il s'agit bien d'une entreprise artistique. Soutenue par une architecture technique objective et identifiable, ainsi que par le prisme subjectif et plus abscond de son maître d'œuvre, nous n'allons pas être les récepteurs de diatribes anti-France. À l'école, ça se passait plutôt bien, j'adorais le français et surtout la mythologie. Ce genre d'histoire un peu fantastique où des gens qui partent de rien deviennent quelqu'un. Ainsi s'adresse la Mans Matsu au juge Jeanne Fayard. Vision prémonitoire d'un enfant prometteur, attiré par le mythe et l'irréel.
Toutefois, les réalités existent bien. Le père du héros a quitté le Congo suite à un divorce. Avec ses enfants, il rejoint l'Hexagone. Dans son pays, il était enseignant. En France, dans les années 80, il réside au sein d'une banlieue parisienne. Nous sommes à l'époque mitterrandienne, de SOS Racisme, des percées du Front National et des cités construites à la va-vite, amenant les décideurs à réfléchir jusqu'à créer un ministère dédié spécifiquement à la politique de la ville, sous l'égide de Michel Rocard en décembre 1990. Cet enfant de Corbeil-Essonne grandit dans un contexte général et systémique. Son histoire est particulière, bien que ressemblant à celle de beaucoup d'autres personnes liées à des dynamiques migratoires. La dérive et les ennuis de Lamance Mazou s'amorcent au collège. Il prend le parti d'un frêle contre un costaud. Sanctionné par un professeur, il se retrouve en état de déscolarisation. Plus d'école et la merde à la maison. Je crois que c'est à partir de là que les emmerdes ont vraiment commencé. Bien entendu, Mathieu Cerveau ne cherche pas à faire une démonstration psychologisante, nous amenant à penser que le poids du contexte social et familial serait les seules raisons de la synergie délictuelle dans laquelle son héros va se trouver imbriqué. Le scénariste ne le situe pas comme un être irresponsable. Le héros positif ne subit pas. Il fait ses propres choix. Pour citer René Char, agir en primitif et prévoir en stratège serait l'adage de Lamance Mazou. Peut-être pas, mais... L'Autrui de Claude Chabrol, 1962. La bande à Bono de Philippe Fourastier, 1968. Mesrine, l'instinct de la mort de Jean-François Richer, 2008. Le travail de Mathieu Cerveau s'inscrit bien dans la tradition du cinéma français. Quelle éthique et quelle esthétique dans le futur film de Mathieu Cerveau. Bien que le film n'existe pas encore, l'on pourrait s'interroger, tout en ne connaissant pas les axes esthétiques que le cinéaste aura choisis, à propos des questions éthiques auxquelles sa réalisation future sera confrontée. Quelle position prendra-t-il vis-à-vis de ceux qu'il filmera, en particulier à l'égard du héros principal, Lamance Mazou, et par rapport aux spectateurs auxquels il va s'adresser? La configuration de la relation tripartite filmeur-filmé-spectateur sera déterminante. Et il s'agira principalement d'un placement éthique. Selon ses choix,
la direction de la mise en scène et du montage seront à considérer avec précaution. Quelle distance le réalisateur prendra-t-il avec la réalité ? Récit fidèle ou adaptation nécessaire ? Quel traitement des faits réels, selon qu'il s'effacera ou pas derrière la caméra ? Préférera-t-il être narrateur externe ou interne ? Le point de vue sera-t-il le sien, celui de Lamance Matsu, ou bien encore celui émanant d'un autre protagoniste tiers, Faïza ou Patrick par exemple? Un seul axe, ou bien l'entremêlement de plusieurs? Nous plongeons alors dans le savoir-faire de l'artiste, conscient des effets que telle ou telle alternative pourrait engendrer. Ces interrogations rejoignent celles déjà éprouvées en ce qui concerne l'appréhension du héros. Dans le cas où la présence du narrateur serait trop forte, l'on serait sans doute contraint d'admirer le personnage principal. Au contraire, sa mise à distance laisserait plus de place aux seuls faits réels, cadrés et rythmés en conséquence. L'histoire du cinéma mondial, et plus particulièrement celle de l'espace nord-américain, dispose de nombreux exemples de narration basées sur des biographies non fictives. Parfois, des écueils sont évités, toutefois, pas toujours. L'action est délicate et peut se révéler périlleuse. Le sujet adopté par Mathieu Servaux est à la fois magnifique et épineux. Prenons un seul paramètre, entremêlant esthétique et éthique. Comment filmer le visage de l'acteur qui jouera Lamance Matsu? Besoin de transmission, dit, dynamique de rédemption 1. 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 Besoin de transmission 1. 1. 1. 1. Je fais un tour encore. Je suis désolée pour le fait. Vas-y.